Vous m'autoriserez à enlever mon masque pendant le discours. Là, je respecte totalement les gestes barrières. Vous êtes à beaucoup plus d'un mètre de moi. Chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les agents du personnel communal, mesdames et messieurs qui visionnez cette séance d'installation du conseil municipal en direct ou en différé sur les réseaux sociaux, chers tous, j'aurais aimé, comme je l'avais fait il y a 6 ans, commencer mon propos en remerciant l'Assemblée de sa présence nombreuse, venir assister à ce moment si important de la vie démocratique locale. L'élection du maire, des maires adjoints et l'installation de tout le conseil municipal. La crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant en a voulu autrement et nous sommes contraints de fermer cette séance au public. Je salue donc les citoyens qui nous suivent depuis leur écran pour assister virtuellement à cette séance d'installation peu ordinaire qui se tient, chose exceptionnelle dans la vie publique française, plus de 2 mois après l'élection municipale. Une élection qui paraît déjà bien éloignée, tant la pandémie du Covid-19 a bousculé toutes les priorités, plongeant notre pays et les citoyens du monde entier dans une crise totalement inédite, plaçant aussi la municipalité en devoir d'agir immédiatement pour gérer la crise, sans même avoir pu procéder ni à l'installation du conseil, ni à l'élection du maire, ni au remerciement d'usage, que notre équipe aurait souhaité adresser directement aux chevillaises et chevillais les jours suivant le premier tour pour la confiance ainsi accordée. Je veux donc prendre ici le temps de le faire de manière appuyée. J'adresse mes remerciements à toutes les personnes qui ont tenu des bureaux de vote le 15 mars dernier, les assesseurs, les délégués, représentants de toutes les listes en présence, ainsi que les membres de l'administration. Tous ont accepté d'exercer cette responsabilité essentielle à la vie démocratique locale, dans le contexte sanitaire que l'on sait, et ont appliqué à la lettre, pendant tout le déroulement du scrutin, les mesures édictées pour protéger chacun d'entre nous. Sans vous, cette élection n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à vous. Merci aux 4392 électrices et électeurs qui se sont déplacés aux urnes. Quel que soit le candidat sur lequel s'est porté votre choix, merci de votre participation à ce scrutin dans un contexte sanitaire qui a éloigné tant de monde des bureaux de vote. La participation s'en est trouvée évidemment véritablement réduite, ce dont on ne peut pas se satisfaire. Mais je salue tout de même la mobilisation chevillaise, qui a connu un recul de participation moins important qu'au plan national, où elle a reculé de 20 points contre 15 localement. Chacun conviendra, je pense, notamment au regard du caractère tranché des résultats de cette élection, que cette faible participation n'amputera en rien la légitimité de la municipalité ainsi élue et que nous disposons d'une feuille de route claire attribuée par les chevillaises et les chevillais pour les prochaines années. Car les chevillais ont souhaité trancher ce scrutin en un seul tour, avec une franche, très franche majorité absolue, offrant une force incontestable aux projets et perspectives d'avenir de notre nouvelle municipalité et engageant dans un nouvel élan la dynamique de rassemblement politique et citoyen qui s'élargit d'année en année. J'adresse ainsi mes remerciements aux 2518 électeurs qui ont apporté leur suffrage à notre équipe et à notre projet pour que se poursuive à Chevilly-Larue une action solidaire, citoyenne, écologique, innovante, dans les pas de nos prédécesseurs, Guy Pettenati, qui nous regarde sans doute depuis chez lui et que j'embrasse, et de Christian Hervy, qui serait si heureux de partager cet instant à nos côtés. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont été les artisans de ce résultat, ces centaines de nos concitoyens de tous horizons, qui ont donné de leur temps et déployé d'importants efforts pour faire vibrer de la plus belle des manières le débat démocratique local. J'ai une pensée toute particulière en ce jour pour les élus de la précédente mandature qui ne siègent plus désormais au conseil municipal et qui ont tant donné par leur engagement quotidien au service des chevillais au fil de ces dernières années. Permettez-moi de les citer. Je pense à André Delucha, Elisabeth Lazon, Charlotte Regina, Dominique Lofaro, Jean-Paul Aumasson, Vincent Falipou, Sophie Nasser, Amélie Afanchawo, Kaouta Rouzit, Frédéric Sens, Carole Barbarian, Gennaro Soiseau, Michel Beneteau, Ibrahim Aboudou, et j'ai bien sûr une pensée aussi pour Christian Noury et Christian Hervy.
Merci à vous. Je sais que vous resterez des acteurs engagés de la vie citoyenne locale, même si cet engagement prendra désormais d'autres formes. Je salue également et remercie de leur assiduité Liliane Ponochevny, Michel Pierre et Bérangère Duraigne, j'ai une pensée pour Thierry Machelon, qui ne siègent plus parmi nous et qui, depuis les rangs de l'opposition au fil de la précédente mandature, ont eux aussi exercé dignement le rôle qui était le leur. Ont ainsi honoré les électeurs qui leur avaient attribué leur confiance, défendant leurs idées de manière constructive au sein de cette haute instance, dans le respect des personnes. Un grand merci enfin aux membres de l'administration communale, à la Direction générale des services et à tous les agents pour leur sérieux et la haute conception de leur mission d'intérêt général. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus de notre conseil municipal. Nous partagerons ensemble, au cours des 6 prochaines années, beaucoup de temps à œuvrer au service des Chevillais. Chacun avec ses idées, sa vision, ses différences. Et tous, je l'espère, pétris de la même envie de se rendre utile aux Chevillais, loin des intérêts particuliers et au seul bénéfice de l'intérêt général. S'il y a un message que les Chevillais ont adressé très majoritairement le 15 mars dernier, c'est leur souhait d'un débat démocratique sain, serein, honnête, transparent, qui positionne les idées et projets au centre du débat, loin des manœuvres petites animées par des ambitions personnelles. C'est leur confiance en des élus de proximité qui tiennent les engagements pris devant les électeurs, qu'ils ont écrits avec eux d'ailleurs, pour eux, qui présentent sans fard la réalité des enjeux et placent farouchement l'intérêt des habitants au cœur de leur action. C'est le cap de solidarité, de justice, dans un climat apaisé, convivial et fraternel qui fait la qualité de vivre à Chevillard. La période que nous traversons invite d'ailleurs plus que jamais à cet essentialisme. Je serai donc, comme je le suis depuis 2014, la mère de tous les Chevillaises et de toutes les Chevillaises, pardon, et de tous les Chevillais. Une mère disponible et à l'écoute de chacun, quelles que soient ses convictions, croyances ou origines. Et j'invite tous les conseillers municipaux à prendre leurs responsabilités d'élu local avec cette haute idée de leur mission, tout particulièrement dans la période difficile qui s'ouvre à nous. Car les prochains mois vont nécessiter une mobilisation plus grande encore que pendant les quelques semaines de confinement. Je l'évoquais tout à l'heure, l'équipe municipale à peine élue, appuyée de l'équipe sortante, toujours en poste, et d'une administration communale extrêmement mobilisée, s'est trouvée plongée dans la gestion de la plus grande crise sanitaire que le monde ait connue depuis plus d'un siècle. Dès le 13 mars, avec l'annonce de la fermeture à venir des écoles, puis avec la mise en place des règles de restriction de circulation le 17 mars, il a fallu réinventer notre service public local. Accueillir aux côtés des enseignants, en service minimum, les enfants prioritaires dans les écoles. Soutenir les personnels soignants en répondant à 1000 petites sollicitations pour faciliter leur quotidien. Organiser les chaînes de solidarité à l'attention des personnes isolées, fragiles ou vulnérables. Accompagner les parents dans leur délicate mission d'appui à l'enseignement à domicile de leurs enfants et lutter contre le décrochage scolaire. Venir en aide aux malades. Soutenir les familles en deuil, notamment dans les conditions brutales infligées par la crise. Et puis, anticiper, toujours, les besoins avant même qu'ils ne surgissent. Je tiens à mettre à l'honneur les élans de créativité, de générosité et de solidarité que nous veillons précieusement à encourager depuis toujours à Chevilly-Larue, mais qui se sont surpassés pendant cette période très exceptionnelle. Ces bénévoles du Secours populaire, de Solépi, qui ont déployé des trésors d'imagination et d'énergie pour pourvoir aux premiers besoins de familles de plus en plus nombreuses, frappées par les difficultés financières, au mépris parfois de leur propre santé. Mais aussi une toute nouvelle association, Humanity, constituée d'une dizaine de jeunes Chevillais activement mobilisés pour offrir, le cœur sur la main et le sourire aux lèvres, des fruits et légumes frais à leurs concitoyens. Je veux mettre à l'honneur ces bénévoles qui ont mis leurs compétences de couturiers, leur matériel, leurs imprimantes 3D à disposition des Chevillais et des personnels soignants
pour leur offrir des masques en tissu et des visières au moment où il y en avait le plus besoin et où la pénurie était à son comble. Ces entreprises chevillaises, conscientes de leurs responsabilités citoyennes, qui ont gracieusement offert des masques ou du gel hydroalcoolique pour les besoins de nos populations. Ces commerçants, qui ont su se réinventer et adapter leur offre pour répondre aux besoins de tous en cette période d'approvisionnement chamboulée. Je pense aussi à ces enseignants, ces artistes, qui ont proposé de multiples activités virtuelles pour prolonger leurs enseignements ou partager des moments de convivialité ou de chaleur humaine et vivifier ainsi nos intelligences. À ces agents communaux volontaires, qui, frustrés de ne pouvoir continuer d'exercer leur mission au service de tous, ont assuré qui un service de course pour les personnes âgées ou isolées, qui un service de portage de repas à domicile, ont téléphoné régulièrement aux centaines de personnes âgées référencées dans nos fichiers pour s'assurer que nul ne manquait de rien, veillant à ne laisser personne dans la solitude. À ces chevillais, qui en quelques jours et par dizaines se sont portés volontaires le week-end du 1er mai pour distribuer, aux côtés de leurs élus, les masques commandés par la municipalité pour que chacun puisse se protéger et protéger les autres. Et bien sûr, aux médecins, infirmiers, aides-soignants, qui manquant de tout, assaillis par des patients de plus en plus nombreux, sans disposer des moyens pour les accueillir dignement, ont fait face à l'unisson, encouragés par nos applaudissements quotidiens, apportant leurs soins et tant de réconfort aux personnes atteintes par le virus. Et enfin, aussi, à ces agents de la voirie, des espaces verts, de la collecte des déchets, ces animateurs et assistantes maternelles, ces agents d'entretien, ces policiers, ces caissiers et caissières dans les magasins, ces chauffeurs routiers, ces agents de maintenance, tous ces essentiels qui, après avoir passé de si nombreuses années dans l'ombre de l'indifférence et parfois même dans le mépris social, sont enfin apparus en pleine lumière, dans toute la sobriété de leur utilité existentielle. Comment ? Comment, après tous ces élans de générosité, d'humanité, de prise de conscience collective, comment pourrions-nous vivre comme avant ? Comment ne pas saisir cette crise comme une opportunité de regarder en face la société dans laquelle nous vivons et de redéfinir, dans le débat pluraliste, une nouvelle direction ? Une direction qui ne soit plus celle d'une folle fuite en avant vers toujours plus de globalisation, de financiarisation, de rendement, d'assèchement de nos ressources planétaires et d'appauvrissement des peuples, mais un modèle d'organisation plus sain, plus juste, plus durable, plus responsable. Réinterrogeons nos fondamentaux, sans opposer nécessairement les choses et les gens, mais en cherchant un chemin commun et en s'écoutant les uns les autres. Pour ma part, je tire deux enseignements principaux de cette crise sanitaire. Le premier de ces enseignements, je l'exprimerai en tant que citoyenne. C'est que cette crise a cruellement mis en évidence l'impossibilité d'agir dans laquelle se sont peu à peu glissés les États par l'abandon progressif de leur levier d'action. Elle a donc, par effet miroir, montré le rôle indispensable du politique qui doit reprendre la prééminence sur le tout économique. Elle a aussi montré l'utilité des nations pour protéger les peuples et préserver leurs intérêts stratégiques. Pourquoi l'affirmation d'une certaine souveraineté nationale s'opposerait-elle absolument à l'amitié entre les peuples, à la coopération internationale et aux échanges internationaux ? Cessons ces caricatures. Rééquilibrons. Relocalisons. Pas tout, bien sûr. Choisissons des filières qui nous garantiront une certaine autonomie et réduirons notre dette écologique collective sans pour autant supprimer tout le commerce international. Réinventons les filières de distribution et de partage des richesses pour payer les choses à leur juste prix, un prix respectueux du travail des producteurs et des salariés. Développons des filières innovantes, notamment dans le domaine de l'écologie. Cultivons une certaine indépendance alimentaire par le biais d'une agriculture locale respectueuse de nos ressources naturelles, de la biodiversité. Et par là même, redéveloppons nos terroirs. Un mot magnifique qui renvoie tant à la culture d'un peuple, là où l'agriculture intensive en constitue la négation absolue. Le deuxième enseignement que je tire cette fois-ci davantage en tant que mère,
concerne la force de frappe que constitue un service public fort dans la tourmente. Après 15 ans de démantèlement méthodique de la fonction publique d'État et hospitalière, et alors que, soumises à cette même orthodoxie budgétaire depuis notamment 5 ans, les communes n'ont pas encore été totalement démunies de leurs moyens d'agir, ce sont elles, les communes, qui ont tenu notre République au cours des 2 derniers mois. Ce sont les communes qui ont organisé les chaînes de solidarité, commandé les masques, apporté les indispensables à un organe d'État en incapacité de faire face. Et à nouveau, face à la crise sociale et économique, plus grave encore, qui se profile pour les prochains mois, ce seront les communes qui seront en première ligne. Mesurons donc ensemble la dangerosité des discours qui vantent à tout craint la baisse des dépenses publiques et la réduction du nombre de fonctionnaires. Sans ces fonctionnaires aujourd'hui, et sans le service public local ou national, nous n'aurions pas aussi bien résisté. Alors, à l'aube de ce nouveau mandat qui débute dans des circonstances si exceptionnelles, je me dis que nous sommes dans la bonne voie lorsque j'énumère les priorités qui irriguent le projet municipal. Une commune forte, puissante, disposant de suffisamment de leviers pour manifester sa solidarité auprès de ceux qui souffrent, de soutenir le pouvoir d'achat des ménages, durement mis à l'épreuve dans la période, de prendre soin de nos seniors, de lutter contre la désertification médicale et d'agir pour la dignité de chacun, en s'appuyant sur le maillage fin de solidarité tissé par nos associations locales. Nous débloquerons dans les prochaines semaines une aide spécifique pour soutenir les ménages frappés par la baisse du pouvoir d'achat, le chômage technique ou les plans de licenciement. L'administration communale et l'équipe municipale sont en train d'y travailler et de la calibrer, tout comme nous examinons en lien avec l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre, notre intercommunalité, le moyen de venir en aide aux entreprises durement frappées par la crise, notamment dans le pôle d'Orly-Ringis, où beaucoup d'entreprises sont liées à l'activité aéroportuaire et où de nombreux emplois pourraient donc être menacés. L'éducation, la formation, la culture, le sport, les loisirs seront au centre de notre action, tant ils constituent les clés de l'épanouissement, de l'avenir de nos jeunes et de l'éveil des consciences citoyennes et des intelligences. Le projet de nouvelle école a pris un peu de retard avec le confinement, mais j'ai bon espoir qu'on puisse l'inaugurer comme prévu pour la rentrée de septembre 2022. La rénovation de l'école Jacques-Gilbert-Collet va pouvoir commencer et la mandature verra sortir de terre un nouveau conservatoire de musique et de danse, plusieurs structures sportives ou encore une salle des fêtes pour les événements familiaux. Nous mènerons les efforts nécessaires pour accélérer encore la transition écologique. Avec la géothermie, nous sommes bien sûr à la pointe pour réduire l'empreinte carbone et nous poursuivrons le développement de ce réseau d'énergie propre qui, grâce aux investissements menés dans la précédente mandature, est resté le premier réseau de géothermie en Europe. Nous développerons les mobilités alternatives avec les véhicules électriques ou hybrides, mais aussi le vélo et autres circulations douces, de manière à offrir, peu à peu, des promenades paysagères et végétalisées en ville. Nous poursuivrons une politique ambitieuse de réduction des déchets et développerons la voie de plusieurs vies aux produits avec l'ouverture d'une ressourcerie dotée d'un répare-café et d'un Fab Lab, tout comme nous travaillerons sur la question du cycle de l'eau. J'ai demandé en ce sens que la nouvelle école soit exemplaire sur le plan écologique, de manière à ce qu'elle constitue par elle-même, déjà, un support d'éducation à l'environnement pour nos jeunes générations. L'arrivée du métro en 2024 va bien sûr bousculer notre quotidien et il nous faut nous y préparer. En développant le stationnement résidentiel, en préservant les secteurs pavillonnaires, véritables îlots de fraîcheur, d'une densification outrancière. Nous aurions dû pour cela initier dès l'automne des assises de la ville qui auraient amorcé la révision de notre plan local d'urbanisme, indispensable dans la perspective de l'arrivée du métro. Nous verrons à ce moment-là, à l'automne prochain, quelle sera l'actualité du coronavirus, mais j'imagine qu'il sera encore prématuré d'envisager de grands rassemblements ou de grandes réunions publiques, d'autant que nous aurons tous beaucoup à faire pour amorcer une rentrée la plus normale possible et accompagner chacun contre les effets de la crise. Nous définirons donc un calendrier, des modalités de concertation qui s'adapteront au mieux à cette situation. Sur le plan financier, l'année 2020 sera évidemment impactée par le coronavirus. Les commandes de masques,
de produits barrières pour les chevillés et les agents du service public, les aides aux associations et aux chevillés, les aménagements menés dans les équipements publics, représentent globalement un effort de près de 400 000 euros, auquel il faut ajouter toutes les non-recettes perçues pour cause d'annulation d'activité. Mais avec les subventions exceptionnelles que nous avons recueillies, notamment de la part de l'État, et surtout du fait de l'annulation de nos grands rendez-vous annuels comme la fête communale, le carnaval ou encore la fête du jardinage, pour ne citer qu'eux, qui constituent donc des non-dépenses, le bilan net de la crise est pour l'instant de 120 000 euros environ. Ce qui est beaucoup, certes, mais absorbable dans le budget de l'année 2020. Il nous faudra par contre être vigilants pour les années suivantes, car la crise économique fera sentir ses effets avec un an de retard dans nos finances publiques. À cet égard, le nouveau cap annoncé par le président de la République devra tenir ses promesses. Mettre fin au dogme de l'assèchement des finances locales qui a vu fondre toutes les dotations d'État à notre commune au cours des 5 dernières années. Remettre à plat la loi créant la métropole du Grand Paris et les établissements publics de territoire, conçus pour priver progressivement les communes de leur raison d'être et de leurs moyens d'agir. Remplacer ces instances par des intercommunalités de projet, de coopération, porteuses d'une vision stratégique au service des communes et des populations. C'est cette vision, ambitieuse, humaine, solidaire, écologique, fidèle au chemin tracé par nos prédécesseurs à Chevillard depuis des décennies, qui doit désormais irriguer l'action publique et la pensée politique en général, et que je porterai avec toute ma force de conviction, partout où ma voix, ou par ma voix, les Chevillais pourront se faire entendre. Je vous remercie de votre confiance renouvelée et vous promets de ne pas ménager mes efforts pour poursuivre l'œuvre accomplie et ouvrir de nouvelles perspectives face aux enjeux si forts, si impérieux et donc si enthousiasmants de notre temps. Merci de votre attention.